Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. On est parti pour 90 minutes. Et le ballon qui est remis dans l'axe. En retrait pour repartir proprement. Brahimi. Feghouli. Attal. Il s'échappe côté droit. Oh, le bon ballon! La faute. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture et il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrive dans une telle situation. C'est bien placé, ça peut être une frappe directe. Peut-être la première occasion du match sur ce coup de pied arrêté. Mahrez! Ce sera le premier corner du match. Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Les yeux rivés sur le ballon, il a déclenché sa frappe. Bim! Plus rien n'existait autour de lui. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Da Costa. Le gardien loin devant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Il écarte sur l'aile. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Belanda. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. La passe allongée. Il la remet. Slimani. Il est bien placé. Bien tenté. Il est sur le côté. Il tente de la tête. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la roue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Allonge vers l'avant. Mazraoui qui a de la liberté. Le jeu repart vers la droite. Dans la profondeur. Il poursuit son effort dans l'axe. Hakimi. Benatia. Belanda. Il décide d'allonger le jeu. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. La bonne passe. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Donc que ça va partir vite. Hakimi.
Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. La passe dans la profondeur. Le bon ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Va-t-il en profiter? Il continue. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Attention, la frappe! Bien repoussée par le gardien. Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. C'est bien donné. Dans la profondeur. Oh, l'aspiration! Oh, le but! Le but! Il compte maintenant 2 buts d'avance. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Ça passera sur le côté. Ziyech. Allez, de la tête! C'est joué long. Feghouli qui cherche la profondeur. On en restera là pour cette première période. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bellatia. Belanda. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Fage. Dans la profondeur, vers Boufal. Le Maroc qui est... Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Oh, l'arbitre est généreux, toujours pas de carton, et pourtant ça méritait une sanction. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. C'est joué long et dégagement du gardien. Slimani. Ça joue long. Oh, quel geste! Ce ballon dans la boîte. Passe interceptée. Hakimi. Le gardien dégage loin. Belanda. Avec Boufal. Il relance côté droit. Belle passe lobée. Un pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Feghouli. C'était une bonne intervention. La passe est précise. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Ziyech. C'est chaud. Ça peut être dangereux. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe.
Le long dégagement du gardien. Ils sont bien concentrés, regardez ça. Encore intercepté. Il joue sur sa gauche. C'est reparti, ils peuvent contrer. Et il cède sous la pression. Il tente de la jouer dans l'espace. Voilà, un coup franc intéressant. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Il est bien placé, ce coup franc, il pourrait la tenter directement. C'est une nouvelle occasion de but. Mahrez, quelle merveille exceptionnelle! Un moment de pure inspiration. C'est tout simplement incroyable, magic! Il compte désormais 3 buts d'avance, leurs adversaires sont KO debout là. Oh, quel geste, c'est magnifique! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, et après, rien à dire sur l'exécution. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Belanda. Alioui. C'est joué derrière. Alioui. Boussoufa. Hakimi. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Brahimi. C'est un bon mouvement. Slimani. Il va au duel. C'est dégagé, loin. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est bien fait, ça. Slimani. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. C'est dégagé, très loin. Il déclenche le tir. La puissance y était, mais pas la précision. El Hamadi. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Slimani. Slimani. À côté. Fage. Mazraoui. C'est joué dans la profondeur. Ziyech, il a de l'espace. Allez, le dernier espoir peut-être. Mais le ballon a franchi la ligne. La faute. Le corner. Oui, bonne intervention de la défense. Et l'arbitre siffle la fin du match. Festival des attaquants aujourd'hui. Ils ont fait mal. Ils ont surtout connu énormément de réussite. Le score peut en témoigner. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. C'est sûr qu'en marquant...